Je n'ai pas eu mon chemin jusqu'au jour où j'ai commencé à jouer la guitare. Son retour, il est revenu avec une guitare au lieu d'un arbre. La guitare, Touareg, ça a beaucoup de. A beaucoup d'essence. This is Kidal, a desert town in the far north of Mali. It is home to the Touareg community. The Touaregs are a people with traditional, nomadic, pastoralist lifestyle. They mostly live in the Saharan parts of Niger, Mali, Libya, and Algeria. In Touareg terms, the Sahara is not one desert, but many. Nous, on a grandi dans ce désert-là, cette liberté-là et ces grands espaces-là. Elle parle de ces déserts, Ténéré, en Tamachak, c'est le désert. Pour un Touareg, le Ténéré, on est né là-dedans. Nos parents sont nés là-dedans, les grands-parents sont nés là-dedans. Vous comprenez? C'est notre tradition, c'est notre école. Tinariwen, ça veut dire. C'est le désert, c'est l'espace. C'est l'espace, comme on dit, Tinariwen chez nous, c'est l'espace, le vide dans. Touaregs hold on to their traditions very strongly. Some of their unique traits include inheritance flowing through females, belief in evil spirits, a love for jewelry and music, respect for camels and cattle, and men wearing veils. They are known the world over for their unique culture and especially music. Ahmed Ag Kaidi is one of them. He grew up in Kidal. Ahmed was a shy young man who felt close to his family and his culture. He took in Touareg music, shyly imitating what he saw and heard. In the desert, there are few instruments. But of course, everyone has a voice. Most Touaregs make their first music by singing. Life was simple but pleasant. Although as he grew older, Ahmed became aware of his factors that would change
his world. Amongst the camels and the calm, a greedy conflict is underway. The desert is scarred by war. Tuareg rebels have been fighting government forces for more than 50 years. They want the government to give northern Mali independence from the rest of the country, a homeland for the Tuareg people. Many Tuaregs fled their homes, but not Ahmed. As a young man, he had to make a choice. One option is to go to the occupant, go with Islamists and having this Islamist ideology. The second option was to go with rebellion. There is a Tuareg rebels who are fighting again. The third option is no. I'm no more fighting, no more using gun. I prefer peace. It was not an easy decision. But Ahmed had not distinguished himself at school or in the community. He wanted to do something that would show his commitment to his people. Ahmed chose the second option, to fight. He went to train as a soldier in Libya. It was 1985, and he was just 18. Former Libyan President Muammar Gaddafi was offering Tuaregs a safe haven and free military training. He would deploy them as mercenaries in wars in Sudan, Chad, and Lebanon. Ahmed trained for 11 months. He thought if he could learn how to fight, he would be able to help his people to keep their land and hold on to their home in the desert. Guns, he learned to fire them. Grenades, he learned to throw them. Bombs, he learned how to explode them. Ahmed would be well versed in killing. But as he trained to fight, he began to learn something else as well. Something he never expected. Je commençais à jouer la musique. Souvent, ils font des concerts, je partais les accompagner, soit je joue aussi avec un ou deux morceaux, je les accompagnais. J'aimais vraiment être militaire, mais lorsque j'ai commencé à jouer à la guitare, j'ai commencé à m'éloigner de tout ce qui est militaire. For the Tuaregs, music is second nature to them. It is all around them. But music was never Ahmed's calling. Most Tuaregs make their first music with their voices, but Ahmed was shy to sing. But when he discovered the guitar, he learned to make sounds and express feelings by only calling attention to his fingers. Comment dire, surtout dans ma région, à Kidal, nous sommes tous des poètes et puis des musiciens. Donc la musique, elle est innée chez nous. Très jeunes là-bas, les jeunes, ils vivent la musique, ils vivent la culture, ils vivent les chants. He had a strange
but special feeling the first time he saw a guitar. Papi oublié, j'étais à ma quatrième année. Pour la première fois, il y a un orchestre qui vient jouer à Kidal. Alors, on voyait les guitares dans les photos et tout ça là. Et c'était ma première fois de voir un artiste avec beaucoup de cordes qui sortaient des sons. Donc, et là-bas, c'est là-bas aussi que j'ai cette envie de. The music is present in every day life event. If any, when a young baby comes, when there is a marriage, when in every situation we celebrate through music. So music is everywhere. But he wouldn't hold one, strum one, learn the power of its sound, cutting through the wind of the desert, until he was in Libya. Quand je quittais mes parents pour aller en Libye, ils me savaient les mêmes à mettre timide. Donc quand je reviens, je montre à mon papa, il voit, il dit c'est quoi ça? Je lui dis c'est une guitare. Je n'oublierai jamais sa manière de rigoler parce qu'il trouvait ça un peu rigolant quand moi avec une guitare chanter. Et là, je n'ai pas eu mon chemin jusqu'au jour où j'ai commencé à jouer la guitare. The instrument unleashed his voice, not only in its ability to make sound, but also in giving him an outlet to express his feelings, his ideas. Oui, Ahmad est allé à la formation militaire pour être un rebelle. Mais à son retour, il est revenu avec une guitare au lieu d'une arme. Donc il a changé. Et l'arme contre une guitare. Je crois que pour être une réponse très directe, je crois qu'on ne peut pas vivre du physique. Quand tu as un physique, c'est pour faire du mal, c'est pour faire peur. Et quand tu vis de ton physique, c'est que tu es un brigand, un voleur, tu menaces les gens, tu fais peur. Alors que quand tu as une guitare, les enfants les plus innocents, dès qu'ils te voient avec une guitare, on his return to Mali, Ahmed formed a band called Amana. But Kidal was a different place compared to the hometown he had left behind. Connaître quitter Kidal avant la guerre et retourner aujourd'hui, j'espère que tout un chacun peut imaginer ce qui s'est passé. Puisque toutes les maisons sont criblées de balles. Les gens qui étaient là, ils sont méfiants, inquiets. Donc, même l'école, elle est criblée de balles. No longer willing to fight, Ahmed had to cut ties with his friends from military school. S'il m'arrive d'aller voir mon père qui est à Kidal, qui est un peu vieux d'ailleurs, je pars masqué comme ça, je fais une semaine maximum, je reviens quoi. Je n'aime pas, dès qu'il me voit, je suis. Là, soit ils me forcent à partir de faire la guerre avec eux, ou soit ils me feront du mal. Quoi. With his band in 2007, he started to tour across Mali and sing about the Tuareg culture and their struggles. The name of Ahmed's band, Amana,
is a Tuareg word for Orion, a constellation of stars. Lecturer Issa Diko has studied Tuareg traditions and language. Amanar, qui signifie en français, c'est un mot tamasha qui veut dire Orion, le guide qui indique la route du nord pour les caravaniers, pour les bergers. Ahmed realized the obvious very quickly. A guitar brings more joy. Je crois que le plaisir que la guitare te donne, une arme ne va jamais te le produire, quoi, ça c'est sûr. J'aimais vraiment être militaire, mais lorsque j'ai commencé à jouer à la guitare, j'ai commencé à m'éloigner de tout ce qui est militaire, de tout ce qui est même uniforme, quoi, en quelque sorte, quoi. Je me suis recaché, j'ai retrouvé ma voix comme je te l'avais dit. Singer Khaira Abi has performed alongside Ahmed. Tout le temps que j'ai vu Ahmed chanter, il chantait toujours la paix, son message sur la paix, l'amour et la culture. Il ne faut pas que la culture disparaisse et la scolarisation des filles. It was not easy for a musician to get noticed in the desert, but Ahmed's timing was right. There was a blooming interest in Tuareg music starting in 2001 when the Desert Festival was born and launched Amana as Birding Stars. By 2008, the festival was attracting Africans and Westerners in huge numbers. Ahmed's music caught the attention of Mani Ansar, who was directing the festival in the desert in 2008. This festival brings together artists from the region of the Big Sahara Desert, the Tanaré, and also other parts of the world. Mani asked Ahmed to perform at the festival. It was just 2-3 weeks before the next festival in Timbuktu. Normally the lineup was closed, no chance to have anything. But when I said them, I really, this young man, I should take them to the festival. The talent that Mahni recognized in Amana was only just beginning to find its own style and audience. By 2011, 3 years later, Ahmed's band Amana won an award for best group at the festival in the desert. Their first move was to wage a religious war on music and ban the music festival. One of the first decisions this Islamist take was to forbid the music. No more festival, no more concert. Even listening to music from a telephone was forbidden. So it's any way to organize a festival, you know. They wanted to ban music and dance as part of an extreme interpretation of the Islamic faith. Is to forbid music. People will access them to ask for women to cover, even accept to cut the hand of a thief. But telling no music, this is
No one accepts for them. A short while after the takeover in 2012, Ahmed went out to see his camels in the bush, and he returned to smoke coming from his home. The occupant people don't want him to play music, and they went to this house one day. He was out, and they burned all his instruments, and they told to his sister, tell to Ahmed, if he play guitar again, we are going to cut his fingers. They left him a message. If you play guitar again, we are going to cut your fingers. Maintenant, c'est sinon la vie de ma famille, parce qu'ils ont déjà passé dans ma famille après moi. Ils ont eu à casser mes guitares, à voler d'autres, parce que les bonnes, ils les ont amenées, les guitares qui n'en avaient pas besoin, ils les ont cassées. Et ils ont même laissé des menaces dans ma famille. Ahmed fled Kidal. Les artistes, les poètes et les créateurs n'ont plus leur place à Kidal. Donc Ahmed, il a été victime de ces djihadistes. D'abord, l'occupation d'ailleurs en elle simple ne m'a pas fait quitter, mais c'est surtout l'interdiction de faire la musique et les djihadistes qui couraient après les musiciens, les instruments de musique et la musique même, quoi, en elle, sous toutes ses formes, même dans les portables. Là, je me suis vu mourir si je restais, quoi. Si je restais, j'allais carrément changer d'inspiration, de métier, quoi. Ou alors, il faut quitter, aller le faire ailleurs. C'est un musicien, il ne peut pas rester sans faire de la musique. Et la musique, ceux qui nous ont envoyés n'aimaient pas la musique. Donc pour préserver notre musique, et non. Nos vies, on était obligé de quitter nos vies. Donc ce qui m'a fait quitter Tombouctou, c'est ce qui a fait quitter Ahmed Kidal. Ahmed fled to neighboring Niger for a few months and then returned to Mali's capital, Bamako. The international media spotlight on the conflict in Mali drew attention to bands like his singing for peace. The unique sound and the positive message put Amana in demand internationally. Voilà la scène. Ahmed Ak Kaedi. Merci beaucoup. En Allemagne, ils ont réagi avant qu'on ne commence à jouer. Ils étaient très contents, ils étaient avec nous. Et lorsque, durant tout notre concert, les gens étaient très contents. He had gone from the desert to the European stage. To play in Berlin was a big deal. Ahmed, il est très souvent au micro, en tout cas, parce que de nature, Ahmed, quand même, il est timide. Bon, et ça se reflète aussi
sur plus ou moins sa présence scénique, quoi. Now Ahmed's message was telling the world about his people. Le message, c'est la tradition d'abord du Touareg, la représentation du Touareg, la souffrance du Touareg, la souffrance du Ténéré. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le message. C'est pour donner le message à cette partie du nord du Mali qui souffre, toujours qui continue à souffrir. Love, peace. Something like this. He has all his songs are more positive, because it is hard to make people join together, because he grew up in conflict situations. He really want, as he said, he want for his child to have a better world, and he want people to come more close to each other than, because we had rebellion and war for the last 15 years in the north of Mali. Everyone is as lack of this, is really tired of this situation. We want it to change, we want to live in peace. It's not easy, but this is our hope. During the last few years, there has been increasing numbers of news reports linking Tuaregs to terrorism. When this war started in 2012 in the north, for many people around the world, Tuaregs and Islamists are the same. So, and it was important for to show that this is completely different. Tuareg people are not really good. We are Muslim, but our Islam is never intolerance. It's Islam of tolerance, and we're accepting the other people, and we have music. Our women are never covered the head and the face, and it's completely different. But we had to show this to people for people around the world. Nous jouons sur les plateaux partout, nous parlons de la paix partout pour montrer que c'est pas tous les Touaregs qui sont vraiment partants pour la guerre et la séparation. Ahmed is on the stage globally telling people about the Touareg culture and with a message about the peace, loving people. But he still holds on to what might be an impossible far-off dream. To play music again in Kidal. J'allais jouer à Kidal parce que ça fait pratiquement presque 3 ans que je n'ai pas joué à Kidal. C'est dommage parce que mes fans de Kidal, vous en avez vu ce soir, la plupart c'est des gens de Kidal. Là où je joue à Bamako, ils viennent, tu vois cette nostalgie-là, cette explosion de joie. Donc, ils sont nostalgiques et j'aimerais les retrouver à Kidal pour faire un concert. Et chez nous même, ça c'est mon souhait. Et c'est leur souhait à eux aussi.